La cérémonie de remise de la pelouse s'est déroulée au cours d'un match de football qui a mis aux prises les équipes A et B des représentants du Wadaï au championnat jeunes talents prévu dans quelques jours en N'Djamena en présence d'un bon nombre des amoureux du ballon rond. L'ingénieur de Grenfell, Ngabé Franklin, a dit que la pelouse synthétique a une durée de vie de 15 ans et demande un entretien pour sa survie. C'est pourquoi il a demandé aux utilisateurs de cette pelouse de respecter les conditions d'utilisation pour le bien de la province. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a remercié le chef de l'État Idriss Déby Itno pour avoir bien voulu doter la ville d'Abéché d'une pelouse synthétique et l'entreprise Grenfell qui a exécuté les travaux de réhabilitation dans un temps record. Ce matériel, il faut que le responsable, le délégué éducation et tous les techniciens, il faut bien garder ce matériel en même temps et cet stade qui est très joli aujourd'hui dans notre main. Signalons que la rencontre a pris fin par la victoire de l'équipe A sur l'équipe B par 1-0. Les deux équipes et les arbitres ont reçu une enveloppe de motivation de la part du gouverneur Ramadan Erdebou.